on sort de stade et on a décidé de prendre la direction du col du Pilon. Et donc bah, on entame la montée. Et il n'y a plus de lave-glace. Bon, ça va, c'est un moindre mal. C'est le lave-glace. Alors on fait comme ça. Et c'est bon. Et on mettra de l'eau dedans. Nous voilà à Lézin. Du coup, on s'est arrêté sur l'aire de camping-car de Lézin. C'est 10 francs suisses. En plus de ça, on a le droit à un tarif réduit sur les remontées mécaniques. Et du coup, on se demande si demain matin, on va peut-être aller faire une randonnée. Parce qu'il y a plein de chemins de randonnée. Donc ça serait quand même super. Il y a 10 minutes, c'était la tempête et là, il fait hyper beau. Allez, c'est parti. Il est vraiment bien ce spot. Le programme, c'est quoi? Alors on est à Lézin. Ça c'est le plan des randonnées. Il y en a plein. Bah oui, il y en a plein. Ça c'est cool. Il y a des durs, des faciles et des... Ouais. Ouais, c'est un peu comme au ski. Il y a des rouges, des bleus, des verts. Alors vas-y, dis-nous tout. Et donc nous, on va faire la 5. Et ça s'appelle Entre lac, fée et berger. D'accord. Temps de marche, 2 heures. Donc, au sommet de la Berneuse, promenade panoramique très variée, parcours passant par le lac Daï et son charmant hameau, et par le lac Maillan, empreint de légende. Descente en pente douce par l'alpage du Témelet. Voilà, ça fait 7,5 km, mais on va faire que descendre. Je sais que Jeanne, elle a déjà fait un 8 km l'année dernière, et ça montait. Donc, je suis sûre qu'elle peut le faire. Bon, bah, très bien. Donc, je sais pas si toi, tu peux le faire. Mais si. Allez, on y va. Allez, on se rapproche, on se rapproche. Ces musiciens. Excellent, un daim. Ah oui. Il est où? Il est où? Ah, je le vois plus. Elle est là-haut, la bête. Ah oui, tout là-haut. Juste en dessous les derniers sapes, tu vois les. Ouais. Vous savez, on est peut-être sur la piste de descente des futurs Jeux Olympiques. J'avais pas vu que t'étais là. On est vraiment bien ici. Bah c'est bien ces vacances. Pour le moment, contrat rempli, on a fait les lacs.
Là, on est à la montagne, on fait une super rando, on est vraiment au milieu de la nature. C'est super. Ça tremble un peu, bah ouais, parce que je suis un peu essoufflé. Ah, donc on va manger des fraises. Voilà, on est dans d'autres paysages, là. On a passé le petit chemin, là, ici, là. Clac, 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 dans la forêt, super sympa. C'est là où il y avait les fruits sauvages, les fraises sauvages, tout ça. Allez, on vous montre un petit peu. La beauté de la nature. Ça va ? Ça va. Il est chaud. Il y a des framboises sauvages là, c'est top. Des petites des fraisiers sauvages aussi. Super. Ah, il est beau ce petit chemin dans la forêt. Bah ouais. Un peu balèze. Ouais, on a commencé, ouais, bah ça nous ressemble quoi. De toute façon, on commence toujours tranquille et puis on va. Crescendo, bah c'est bien. Crescendo. Faut mieux faire ça que de se retrouver dans n'importe quoi dès le départ. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu lui donnes à Clément ? Tu lui as donné quoi ? Des framboises. Des framboises, ah oui, il y a des framboises. Hein. Il y a des framboises partout. Sauvages partout. Excellent. Je veux bien. Tu me filmes toi ? Non, je te filme papa. Il a pas l'air en forme. Vas-y, fais-lui peur. Voilà, on va finir cette randonnée par ces belles images. Voilà, il y a son harem qui est ici. Alors comme d'hab, hein,